présenter aujourd'hui Sœur Virginie, appelée par le Père à confirmer d'une façon plus profonde et définitive son alliance avec son amour éternel dans l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice. Sœur Virginie, le voici. Sœur Virginie, que demandes-tu aujourd'hui à Dieu et à l'Église? Après avoir vécu cette expérience de vie communautaire et apostolique chez les sœurs salésiennes de Don Bosco, moi, Sœur Virginie, je veux continuer mon chemin de configuration au Christ en me donnant à lui dans l'Église pour l'éducation intégrale des jeunes. C'est pourquoi je demande à continuer à offrir ma vie à Dieu pour toujours, et ceci dans l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice. Que Dieu Père, qui t'a fait renaître par l'eau et par l'Esprit, t'accorde d'avancer dans une quiétude de vie toujours plus intense et d'être parmi les jeunes en communion avec tes sœurs, signe et expression de son amour réveillé. Je rends grâce à Dieu. Tu continues à offrir pour toujours ta vie à Dieu le Père, en t'unissant au sacerdoce du Christ, lui qui, en soi, porte à sa plénitude le don baptismal et chrismal, et te rend signe de son amour pour l'Église, son épouse. Oui, je le veux avec la force de l'Esprit. Veux-tu être fidèle à l'amour préférentiel pour le Christ dans la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, et être ainsi signe de l'espérance future qui est déjà en germe et en croissance en ce monde? Je le veux sûr de la fidélité de Dieu. Veux-tu vivre de façon définitive la communion fraternelle dans l'esprit de Mornaise, en la construisant chaque jour sur la présence du Christ ressuscité? Oui, je le veux, enraciné dans son don d'amour. Veux-tu faire tien, pour toujours, le projet de Saint Jean Bosco et de Sainte Marie Dominique Mazzarello, qui prend sa source dans la charité du Christ, bon pasteur? Oui, je le veux, pour être comme Marie, auxiliatrice parmi les jeunes. Thomas et Philippe, apôtres du
Luc et Matthieu, Marie, Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Ignace, Dantieu, chez Laurent, Perpétue, Félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps, Irénée, Athanase, Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité. Antoine et Bruno, Bernard de Clairvaux, et tous les moines chercheurs de Dieu. Antoine et Claire, Catherine de Sienne, Brigitte de Suède, les consacrés au Seigneur. De Loyola, François Xavier, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, Vincent de Paul, Bernadette de Lourdes, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte de la Croix, Jean-Paul II et Jean XXIII, Carlo et Petit Eugène d'Arc, Pierre Georges Brassati, Théophane Bénard, Charles de Foucault, Teresa de Calcutta, Christian de Cherget et sa communauté, Jean Bosco, Marie de Marie Matarello, François de Sales et Joseph Capasso, Dominique Savio, Laura Vicunia et tous les saints de la famille Salésienne. Michel et tous les apôtres devant la face du Seigneur et tous les saints du royaume dans la lumière éternelle. Ô Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Ô Seigneur, délivre-nous. Mal de tout péché. Ô Seigneur, délivre-nous. De la mort éternelle. Nous qui sommes pécheurs. Par ton incarnation. Ô Seigneur, délivre-nous. Par ta mort et ta résurrection. Par le don de l'Esprit Saint. De ton corps. Ô Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. De garder ton église dans la sainteté et à ton service et entre les peuples. Ô Seigneur, écoute-nous. Ne paix sincère. Ô Seigneur, gagnez-nous d'un permis, comme serviteur de l'unité. Et celle que tu as faite, daigne la bénir, daigne la sanctifier et la consacrer. Ô Fils du Dieu vivant. Ô Jésus, Fils de l'homme, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous.
Dieu Père, par le baptême, tu m'as consacré à toi et tu m'appelles aujourd'hui à nouveau, par la force de ton esprit, à suivre Jésus-Christ de plus près pour participer plus intimement à sa mission de salut dans l'Église. En réponse à ton amour, je m'engage à vivre de façon radicale les béatitudes du royaume, en communion avec mes sœurs, annonçant le Christ aux jeunes, selon l'esprit de Saint Jean Bosco et de Sainte Marie-Dominique Mazzarello. Aujourd'hui, devant ma communauté, mes sœurs et mes frères ici présents, moi, sœur Virginie de Chazal, en pleine liberté, je m'offre à nouveau totalement à toi. Je fais vœu de chasteté, pauvreté et obéissance pour toujours dans les mains de sœur Marie-Agnès Chetcuti, déléguée de la supérieure générale, mère Chiara Cassola, selon la voie évangélique tracée dans les constitutions de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Confiante en ta grâce, en l'intercession de Marie Auxiliatrice et de nos saints, et avec l'aide de mes sœurs, je veux vivre fidèlement pour ta gloire les engagements que j'assume par cette profession. Amen. J'ai écrit de ma main ce document et je le signe sur l'autel parce que ma vie continue à être unie au sacrifice du Christ pour toujours. Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole, et je vivrai. Dans mon attente, je ne serai pas confondu. Père très saint, nous te louons et nous te remercions de nous avoir appelés depuis toujours à la communion d'amour que tu vis avec le Fils et l'Esprit Saint. Au long de l'histoire, tu t'es sans cesse révélé à l'homme et en Christ, ton Fils, fait chair dans le sein virginal de Marie. Tu nous as rendus capables de te reconnaître comme Père et de t'aimer comme des fils. En obéissance filiale, il s'est offert lui-même pour réaliser ce lien d'alliance qui ne pourra jamais être rompu. C'est sur ce sacrifice de sa propre vie que s'est constituée l'Église qu'il aime comme une épouse, afin qu'en elle soit prolongé dans le temps ton dialogue avec le Verbe éternel dont l'Esprit est la voix. Rempli d'étonnement et de joie, nous te remercions encore, Père, de ce qu'à toute époque et dans tous les peuples, tu continues à appeler des femmes et des hommes à vivre le plus profondément le mystère d'alliance nuptiale avec le Christ. Et maintenant, Père Saint, regarde sœur Virginie qui veut adhérer fidèlement à ton alliance d'amour. Transforme-la par la puissance de ton esprit, pour que, consacrée à nouveau par lui, elle continue à être une offrande vivante qui te soit agréable. Que ton action prévenante la rende en tout conforme au Christ, chaste, pauvre et obéissant. Père miséricordieux, nous remettons sœur Virginie entre tes mains, forte de son engagement, mais fragile par sa condition humaine. Fortifie chaque jour sa volonté de se donner à toi, qu'enracinée dans ta fidélité et soutenue par la Vierge Marie, aide très douce et puissante, elle soit forte et généreuse dans l'amour
prompte dans l'obéissance et heureuse de te posséder toi seul. Ouvre son cœur à la charité prévenante dont tu as comblé Don Bosco et Marie-Dominique, pour qu'elle se consacre de toutes ses forces à servir l'Église dans l'éducation des jeunes, spécialement les plus pauvres, avec ses sœurs. Père, que ta grâce, que par ta grâce, Virginie travaille avec vigilance dans l'attente de ton fils, désirant ardemment son visage et qu'à sa venue, elle goûte en plénitude la joie de lui avoir été fidèle, lui qui est Dieu et qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Sœur Virginie, au nom de l'Église, je t'accueille pour toujours dans notre famille, dans la communion sereine et le partage fraternel de ce que nous sommes et de ce que nous avons. En suivant le Christ d'une façon radicale et en te donnant généreusement aux jeunes, puisses-tu atteindre la plénitude de la fidélité dans l'amour. De l'Institut d'études de Marie Auxiliatrice, au sein aussi de l'Alliance avec le Christ, MD, épousant un projet de vie, qu'elle s'oriente et soutienne son chemin de fidélité. Bienvenido.
parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain entre ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, remplit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
parti. Un nouveau virage, mais tout se poursuit. Et tu prends le large, c'est bien le seul, oui. Aux nombreux visages, le fil de ta vie s'écrit page après page. Direction Lyon, pour faire tes premiers pas. Au lycée Don Bosco, on n'entend plus que toi. Un bonjour mouvant, dans un éclat de voix. Un rire puissant qui nous donne de la joie. Car quand tu commences, tu entres dans la danse, la joie salésienne. Tu en es bien pleine, les liens des rencontres et des amitiés que tu tisses peu à peu, j'espérais. Fidèle à tes amis, souvent tu leur écris. Envoie des cartes postales, petits textos ou photos. Au tac au tac, pour répondre aux messages. Sauf en amitié, tu es de passage. Et puis tu t'envoles pour l'Italie. Un temps de formation, c'est toujours bon. Les constitutions, les jeunes en prison. La maestra, les origines et un peu sérieux en cette année à Rome. Entre glace et pizza, bien souvent tu slalomes. Mais tes esprits salésiens est super pertinent. Et tu le cries à temps et contre temps. Et c'est le retour en terre de France, direction le Nord. Il prend sa revanche. Et c'est le retour en terre de France, une salésienne n'est pas toujours en vacances. Tu débarques ainsi, vain de rue les pensées. L'esprit salésien, ton cœur est enflammé. Le droit d'en Bosco, ce sont dans ton entrée. Ce qui est sûr, c'est qu'il marche à tes côtés. Direction le Nord, mon Dieu, tu es trop fort. Tu te retrouves à Lille, ne te fais pas de ville. C'est la première fois, tu t'en remettras. Des flics, tu perds la vie et plein de gens sympas. Jolie langue anglaise t'aurais pu enseigner, l'écriture et l'aumônière d'une université. À toi les grands discours devant les étudiants, même si tu ne te sens pas très à l'aise pourtant. Et que tu sais rejoindre les jeunes en recherche, quand on crée le sens, ils te tendent des perches. Un cours à Baham, en Tunisie, à Lille, c'est une promesse à la bougie. Connaissez-vous le secret de Virginie? Le cœur de sa vie, c'est l'Eucharistie. Jour après jour, elle va y puiser. Pour auprès des jeunes, toujours au taquet. Une salésienne, assurément. Une salésienne, à 100%. Une salésienne, évidemment. Et maintenant, perpétuellement. Depuis quelques temps, pour partir au boulot, tu mets à la bout de souffle, tu enfourches ton vélo. Quand le feu passe au rouge, tu rejoins le peloton. La ville salésienne commence à la tourner. Et la Virginie, c'est que du bonheur, le oui de ta vie. C'est triple seigneur, mais la Virginie, avec tes soeurs, fille de charisme à 100 000 à l'heure. Une salésienne, assurément, une salésienne, à 100%, une salésienne, évidemment, et maintenant, c'est qui,
C'est celui-ci, 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 c